Emmanuel et Brigitte Macron invités chez des prestigieux voisins et escortés en voiturette électrique. Le saviez-vous / Pour accéder au fort de Brégançon, il faut traverser un territoire luxembourgeois. En signe de remerciement après la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle a accordé un statut particulier au terrain sur lequel se situe la tour Sarrazine, où la famille ducale du Luxembourg passe ses étés. Résultat, le grand-duc Henri et la grande-duchesse Maria Theresa passent leurs vacances à côté d'Emmanuel et Brigitte Macron, et les ont conviés à un dîner en tête-à-tête ce dimanche 12 août comme le veut la tradition. Après une journée passée ensemble, ils se sont rendus tous les quatre dans le lieu de villégiature luxembourgeois. Et pas n'importe comment, Brigitte et Emmanuel Macron ont emprunté la voiture électrique du grand-duc Henri et la grande-duchesse Maria Theresa pour faire le trajet. Et dire que, quelques heures plus tôt, la première dame française s'amusait sur la mer en jet ski en tant que passagère. Évidemment, un garde du corps se chargeant de piloter l'engin. Touristes presque comme les autres, Emmanuel et Brigitte Macron passent des vacances aussi paisibles que possible au fort de Brégançon, loin des polémiques et des petites piques qui viennent alimenter la vie politique française.